kwe na wo. Et le temps de te retirer là où. Elle a pas voyé si on dit ça. Car tu es le roi de roi. Elle a pas voyé à peu toi, tu as peu toi. Le Seigneur des Seigneurs. On mène à ça, peu toi, il y a qu'à toi, peu toi. Celui-là qui t'a donné l'opportunité. C'est lui-là qui t'a donné le souffle de vie. Qui a mis le souffle de vie en nous. Et nous nous vantons encore ce matin que nous sommes en vie. Devons être son adorateur. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Jusqu'à la fin de nos jours. Et lui montrer que l'objectif lequel il nous a créé, on l'a compris. Et on va le faire. Quelqu'un est béni ce matin. La présence ici ce matin, ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Tu vas partir. Tu vas comprendre quelque chose. Il va donner la force, la capacité, l'autorité. Il va te donner une nouvelle foi. Car les jours sont durcis. Et on le sait. Les temps sont durs. Les heures sont vraiment. Mais si la parole de Dieu est ton pilier, et ne sera pas ce que tu manges. Je ne sais pas ce que tu deviendras. Est-ce que tu m'as saisi? Et on le sait. Les temps sont durs. Et on le fout. Les temps sont durs. Il y a des tempêtes. Les morts pénia. Si la parole de Dieu. Que tu vas écouter chaque fois. Tu vas te donner la force, le courage. Tu ne sais pas ce que tu deviendras. Mais si les temps sont durs, il y a les tempêtes qui passent. Mais la parole de Dieu est ton père quotidien. Ce que Dieu veut que tu sois, c'est ce que tu deviendras. Amen. L'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est ça qui va se réaliser. Car dans les terres, tu vois ce qu'il faut. Et ce qui est la parole de Dieu, qui donne l'espérance, qui donne la foi, qui donne le courage. Et que tes parents ne peuvent pas t'offrir la parole de Dieu dans le courage. Tes parents ne peuvent jamais t'offrir. Et si tu vis concernant la parole de Dieu, à la fin, tu vas triompher. Amen. Si tu vas terminer, tu vas terminer dans le champ d'Allemagne. Mais dans le problème, si tu veux vivre selon les propos humains, ce que tes amis te conseillent, il va te détruire, il va te conduire dans la perdition. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Il va te conduire dans la perdition. Car celui-là qui te donne le conseil, ce qu'il est en train de dire, qui n'est pas en connexion directe avec le créateur de ce monde, tu es égaré. Tu es perdu complètement. Si on te cherche, tu ne vas plus te retrouver. Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Dieu m'envoie des temps ce matin. Le thème de mon message à ce jour, sois fort comme un palmier. Amen. Sois puissant. Pourquoi est-ce qu'il te dit d'être fort? Tu as les tempêtes qui passent. Si tu peux être ferme, tu peux être ferme dans, en Dieu, les tempêtes
faut t'emporter. Et si la tempête passe, et on te cherche, ton nom va disparaître. Mais si tu as compris que tu dois te fermer, tu dois te fermer. Les temps, les vents vont souffler, les tempêtes vont passer. Mais là où tu es en Dieu, tu es toujours dans ce lieu. Moi, tu vas y aller. Après la tempête, ils vont te demander où est-ce que tu étais au moment de la tempête. Est-ce que vous me servissez? Ils vont te poser la question, savoir tu étais où lorsque la tempête passait. Quand ceux-là qui ne sont pas tenus fermes, on les a cherchés en vain. On les a appelés, mais n'ont pas pu répondre. Mais ceux qui sont fermes en Dieu, qui ont te prendre leur toute respect sur Dieu. Il est bon Dieu de puissance. Il est Dieu devant le bouclier de leur fiche. Je bénis quelqu'un ce matin. Je bénis un cœur, je bénis une mentalité. Comme les temps sont durs, les moments sont très difficiles. Mais calé à vous, moi tu. Peu importe comment la tempête va passer. Tu dois te fermer. Les mains. Tu dois te fermer. Prenez-vous-moi. Puis à la fin, on t'appelle victorieux, victorieuse. Et puis ce jour-là, si la tempête sonne, tu soulèves le regard, tu dis pas si on est élu, tu vas l'entendre, et tu vas le rencontrer dans les airs, et tu seras vêtu de bourreau blanc, et tu vas chanter des chants de louange. Il n'aura plus d'amertume, il n'aura plus de gémissement, il aura des paroles de paix, il aura la joie en ce lieu. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu donne la capacité, le pouvoir à quelqu'un. Mais pour ce que tu rencontres dans la semaine, mais pour ce qui se passe chez toi au marché, mais pour ce qui se passe dans ton service, sois ferme. Ceux qui connaissent bien le palmier, même au temps de la sécheresse, il est toujours tel qu'il est. Amen. Même s'il pleut abondamment, il est toujours en ce lieu. Alléluia. Amen. Les autres arbres qui vont se nourrir, qui vont faner. Le palmier dit, celui avec qui je marche, il est toujours à mes côtés. Amen. Amen. Que cela soit ainsi pour toi aussi. Celui avec qui tu marches. Amen. Allez. Il est là. Dans les temps, dans les tempêtes, il est toujours là. Et tu as jamais. Autant que tu disons plus que ça, il est là avec toi. Mais toi aussi, tu dois savoir qu'il est vraiment là avec toi. Tu dois recevoir cette révélation. Tu dois recevoir cette révélation. Qu'il est là avec toi. Maouno. Ça ne va pas terminer. Et puis tu demandes des cours. Et puis toi, ne vas pas s'arrêter. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Est-ce que tu es corps avec moi ce matin? Mais c'est une vérité incontournable. Que les temps vont la fin. Les temps sont vraiment très. Les temps sont mauvais. Les combats sont durcis. Mais moi, je serai comme les palmiers. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, elle est pronom, mais ne te déplace pas du lieu où tu es planté. Amen. Le lieu, le premier, elle dit, ne te déplace pas du lieu où tu es planté. Et puis, autour de toi. Là où on t'a planté. Elle est Christophe. C'est en Christ, ça. Elle est Mahomet. C'est en Dieu. J'entends. Les problèmes ont arrivé. J'entends. Mon Dieu, sois toujours là-bas. Mais garde-toi sur le bord. Que ça ne te fait pas de la parole de Dieu. Ce que tu veux, ce que les gens vont dire, ce qu'on va te révéler, ne te fais pas quitter la parole de Dieu. Amen. Qui ne te fait pas quitter de la présence de Dieu. Sois toujours en Dieu. Tu veux dire que je perds mon temps. Ils vont laisser. Tu n'es personne. Mais je dois te dire, celui que tu as est plus fort que ce qu'ils ont. Si tu as fait, fais pour Dieu. Avant
que tu es, il va t'envoyer un sauveur. Amen. Il va t'envoyer un sauveur. Il va t'envoyer un sauveur. Que sera cet ici pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu traverses avant de venir ici. Mais ce matin, que l'Esprit de Dieu touche ta main. Que cette parole-là touche ton corps. Touche ton âme. Quand tu vois ce que les gamins de Jésus passent, les temps, la tempête qui passe, si Christ ne va pas nous sauver, qui est-ce qui peut nous sauver? La personne n'a pas pu sauver lui-même. Est-ce qu'il peut te sauver? Il n'a pas pu faire sa part. Est-ce qu'il peut faire ta part? Celui-là qui le fera, celui-là qui va te sauver. Je suis en train de parler de cette personne. C'est ça son message que je suis en train de transmettre. Si tu veux voir la foi de quelqu'un, ce sera Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire Colossiens 2, le verset 7. Amen. Amen. Là où on t'a planté, là où tu dis que Dieu m'a appelé, et toi, si tu n'as pas tant de l'année, tu as élevé ta main disant qu'il est le Seigneur sur toi. Et tu as dit ici aujourd'hui, je vais adorer quelqu'un qui semble être Dieu. Il n'a pas dit que les choses, les problèmes vont pas arriver. Tu dois souligner cette partie. Il n'a pas révélé que. Il n'a pas dit que les problèmes là ne viendront pas. Les problèmes viendront. Mais tu dois reconnaître la question de Dieu. Pour que les problèmes ne détruisent pas ta vie. Je prie pour toi ce matin. Mais vous, les problèmes ne vont pas vous détruire. Dans l'onction que vous portez, ça arrive. Ça termine. Et vous avez toujours la victoire. Ça arrive. Et si ça commence avec des pleurs, des larmes, à la fin, c'est les questions de louange. Amen. Pour le temps, à parler de ta vie, puis André Léa, et pour le Nyanya a messi au dos de Nyanya a messi au dos au token au token. Nyanya a messi au token. Amen. Bible dit que nous l'ayons mais au token. La Bible dit que nous devons être des gens affectés. À token. Les mains Nyanya. Être enraciné. À token. Les cris sont. Être enraciné en Christ. À token. Les mains Nyanya. Être enraciné dans la parole de Dieu. À au token. La plante qui est. Et là où ton idée. S'il porte une terre, il grandit. Et s'il commence par grandir, arriver à un niveau, il commence par bourgeonner. Mais là, il va aimer être quelque part. S'il y a le soleil, que le soleil le brûle, que la brûle se brûle, que les choses sont en sa croissance pour que tu puisses être mûr. Amen. Amen. Laisse aller pour ya. Elle est périte. Il aide. Donc vous serez bien. Le soleil le brille, il aide. Aïe, elle est pour bien mouille. Elle est périte. Le vent souffle là, il aide toujours. Si, elle l'a. Cet arbre accepte. Elle n'en a tellement pas. Il est toujours là-bas. Aïe, au ton à qui. Il a lancé les arbres. Vous n'avez qu'à les tomber. Il s'enfonce dans le sol. Il touche l'eau. On en a bon. Et il aspire. On en a bon. Il aspire. Quelqu'un n'a pas quoi. Jusqu'à ce que tu le vois. Tu vas. Merci à vous. Ce n'est pas seulement qui est en train de bourgeonner, n'est-ce pas? Mais Benin dans vous. Il ne réduit pas le vent ni le soleil. Il ne rejette pas la poussière non plus. Mais je ferai pour toi ce matin. Tu es un arbre. Qu'on a planté, tu seras enraciné en Christ. Tu seras enraciné en Christ. Et tu vas porter de fruits en Christ. Les vents, les tempêtes qui vont passer. Ne déracine pas la plante là où on l'a plantée. Les problèmes ne vont pas te déraciner en Christ. Amen. Amen. Mais gardez-moi. Ne permets jamais. Ne l'imagine même pas. Mais que les problèmes ne vont pas arriver. Si ça arrive. Bon,
Les bras peuvent courir. Sois dans la parole de Dieu, en présence de Dieu. Et il n'a noté point. Et sois et attends-le. Amen, alléluia. Amen. Et nous fait quoi? La seconde chose. Elle voulait, elle voulait non accepter les mandations. Elle voulait non donner une vraie voix, non ok. Tu dois accepter qu'on demande là. What the Lord dans les mains. On enlève certaines mauvaises choses. Nous n'aurons pas de jour. Les choses ne vont pas t'arranger. À ma gauche. Les mauvaises. Quand tu vas porter. Ne les caca. Arrive un temps. Ne tu vois. Après d'avoir porté de fruits. Et ben tout le monde tous les dias. Et si le pauvre va au ciel. Mais nous là des jours. Aujourd'hui, le sang de Christ l'arrache. Ce que tu m'as fait, ça va te détruire. J'arrête cette chose dans ta vie au nom de Jésus. Comment tu dois l'accepter? Que tu veux, je dois y aller. Et lorsque je viendrai à l'adoration, c'est pas en sorte. Et si il me réprimande, tu dois accepter ça. Et toutes ces choses, elle est perdue. À l'aide de mon nom, te permet okay, de que tu sois bien enraciné. Que un jour viendra, on voit des fruits sur toi. Si un jour vient, on voit des fruits sur toi. Mais si, on voit, vous voyez ce manguier, là où on l'a planté, la patate le plaque, sinon il dit qu'est-ce qu'il arrive? Si on déracine le truc qui est là-bas, qui on le plante de ce côté, il rentre encore dans l'enfance. Et la manière dont il va mieux va regarder. Comme un leader, comme un chrétien, aujourd'hui, et un problème arrive, il te déracine de l'autre côté. L'autre chose, il te déracine de l'autre, il te déplace. Mon enfant. Tu es en train de t'élargir le chemin. Peu importe ce qui va se passer, sois ferme pour lui. Que les tempêtes passent, les vents soufflent, sois toujours ferme. Sois toujours là où on t'a planté. Pour que la fin. Tu as des choses à dire aux générations futures. Tu peux leur dire des choses. Si tu nous arrives aujourd'hui, on est arrivé à ce point. Mon enfant, ça n'a pas été du tout facile. Et si on fout. Il y a des problèmes qui sont arrivés. Mais rien de tout cela ne nous a pas arraché, ne nous a pas éloigné de Dieu. Il fallait si tu es devenu apôtre Paul, tu deviens apôtre Paul. Paul dit, j'étais nu. J'ai souffert. J'ai eu la fête. Naufrage. Ok, il y a eu naufrage. Voilà. Mais toutes ces choses ne m'ont pas éloigné de Dieu. Qui est-ce que tu veux ressembler? Qui est-ce que tu veux devenir? Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que l'esprit de Dieu soit sur une vie. Amen. Amen. Si tu es ferme pour lui, et que les problèmes ne t'ont pas éloigné de Dieu. Qui accepte quand tu demandes. Non, viens, ne va à la fin. À mon point de couvert. Devant les gens. Assis. Tu seras mûr. Nous peut tourner les bras. Ne grandis pas nous. Nous devons grandir comme Christ a grandi lui-même. Comme Christ lui-même a grandi. Mais nous l'anticipons que Christ sont tous tinélés. Amen. Amen. Christ. Christ. Amen. Celui-là qui est notre exemple là. Amen. Il y a 4 millions là. Celui-là qu'on évoque tout ça. Hey, on va dire amen. Lorsqu'il est venu dans ce monde, les choses n'étaient pas comme de l'eau à boire. Amen. 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 Un homme non négocié. Les choses ne sont pas du tout faciles pour lui. Mais dans tous ces problèmes, jusqu'à la fin, la Bible déclare qu'il témoigne de lui en disant Christ est devenu quoi? Il est la grande devant les nouveaux problèmes. En prenant les paroles, dans les actes, il a grandi. Est-ce que tu acceptes de grandir? Si tu acceptes de grandir, là où on t'a planté, Amen. Sois
toujours en ce lieu. Les vents qui vont passer, tu vas les supporter. Les soulèvements, tu dois être toujours ferme devant ces choses. Tous les propos qui vont passer, que ça ne t'éloigne pas de ce lieu. Et à la fin, tu vas terminer dans l'image de Christ. Tu vas grandir devant toute une foule. Les gens vont témoigner concernant ton leadership. Aujourd'hui, où tout le monde a. S'il appelle notre père, il leur propose qu'ils disent. Et s'ils n'ont jamais écouté des pasteurs, des pasteurs, mais il écoute. Mais pour lui, c'est différent. C'est ça. Il est devenu. Il est ferme. Les choses sont passées. Le vent a soufflé. Il est toujours là-bas. Mais Dieu, le Christ, soit bon. Aujourd'hui, il est devenu un exemple. C'est ce que je fais pour moi et toi. Amen. Voici tes gars, les canapés. Le Seigneur Jésus Christ. Nous allons lire quelque chose dans 8, que le verset 52. Eh bien, ben, ayez tout idée, les tout idées dit, les nounia plaît, titi plaît, amen, veuve, les maou plaît, amour, pop, la main. Amen. Bible avec Yesu, et la Bible déclare que Christ a tout dit. Les nounia me. Dans l'intelligence. Les mou en amour. Dans la sagesse, dans les actes. Les mou pour vous, dans les paroles. L'amour quoi. Devant les gens. Amen, tchania, bena. Ils savent très bien que. Amen, ya. Cette personne. Amen, il est différent. Ça peut être ainsi pour toi. Dans ta famille. Dans ton service. Et les gens vont voir ta sagesse, ta croissance. Vraiment, Dieu vient maintenant. Elle n'a plus peur. Hein. Et parle avec autorité. Avec autorité. Tu vas imaginer sur quoi il s'est tenu, faire il s'est tenu. Et tu vas lui dire, j'ai cru en Christ. J'ai la parole en moi. On va tirer tirer la mot. Il a grandi devant les hommes. Tu même as reconnu que vraiment Christ a grandi. Ça doit être ainsi pour toi. Que les gens te reconnaissent dans la foule, dans le peuple. Que vraiment tu as grandi en parole de Dieu. La manière dont les choses arrivent, tu as tu parles. Les actes que tu poses devant le problème. Tout cela c'est très important. Ce qui arrive. Et les gens crient. Ça, lorsque ça arrive, ouais, ben, tu as dit que Dieu t'a glorifié son nom dans ma vie. Après, ma on est, là, il dit, y a truc. Tu vas dire, Dieu, me donne-moi ce cœur pour et supporter les choses. Et tu marches comme un vaillant. Vraiment, mais, en toutes ces choses, les gens hurlaient par terre. Ils ont refusé de manger. Ils ont eu le cerf en même temps. Dans ce jeu, il y a eu des accidents cardiovasculaires. Il y a une seule chose qui s'est passée. Il veut mourir. Mais toi, tu dis, si je dis encore, j'ai encore de l'espoir. Il y a un objectif de Dieu pour toi. Je bénis quelqu'un. Amen. Que la main de Dieu soit sur une vie. Que la rencontre de ce jour. Tu dois être ferme. Tu dois être enraciné. Tu dois connaître Dieu. Tu es grandi devant toute la vie. Et lorsque les vents vont souffler, tu vas dire que les vents vont passer. Mais à la fin, c'est moi qui va triompher. Ça va triompher. À la fin, c'est moi qui aura raison. Je prie pour toi ce matin. La croissance devant le peuple, devant les hommes, tu reçois l'onction pour ça. Que devant les problèmes, ce qui s'est passé et les gens sont morts, toi, ça ne va pas te tuer. Amen. Amen. C'est qui arrive et les gens sont malades et le vieux détruit. Toi, ta vie ne sera pas gâchée. Amen. 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 Pour conclure, le premier point, il dit, encouragez-vous avec la parole de Dieu. Donc, c'est nos cœurs de mon bénin. Dans les problèmes, la parole de Dieu, nous allons encourager avec la parole de Dieu. Un problème arrive. Allô, elle est ou bien il est en train de traverser un moment. C'est la parole de Dieu. Peu importe ce que les gens disent. Toi, lorsqu'ils viennent, tu vas l'encourager avec la parole de Dieu. Les amis, ils vont lui faire des propos, ils vont lui conseiller. Et lorsqu'ils viennent,
Dis-lui, mon frère et ma soeur. Ne pas à cause de ces choses et toi, espère en Dieu. Attends-le. Là, ouais. Il va le faire. Dieu, et tu auras la victoire. Amen. 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 Le peuple Elia. Le second point. Elle est bon, il est en train de nous dire. Devenez des vrais adorateurs pour Dieu. Niani, souvent là, ton bon va en avant. Les grands leaders qui nous ont dépassés. Et au ce moment. Qui adorent Dieu. Et ils ont coaché à Balé. Et leur mort resté dans le livre de vie. Amen. Ces gens de personnes. Mais la Bible n'a pas déclaré qu'ils n'ont pas eu des problèmes. On les a emprisonnés. Mais l'adorateur qu'ils sont. Ils sont toujours adorateurs. On les a jetés dans la fosse au lion. Mais on les a montrés au lion qu'ils adorent toujours Dieu. Ils vont mourir pour Christ. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Donc, le troisième point. Il nous dit, fais tout pour accomplir ta vocation. J'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas une coïncidence que tu es ici présent. Tu viens ici chaque dimanche. Tu viens auprès de Dieu chaque dimanche. Dieu t'a confié un livre. Il t'a appelé pour quelque chose. Efforce-toi. Fais-le. Pour que tu laisses la bénédiction aux générations futures. Amen. Amen. Mais nous encore le problème. Et on va te nommer dans la famille. Tes progénitures diront, notre grand-papa. Il ne s'amuse pas avec la nation de Dieu. C'est lui qui craint Dieu. Amen. Ma pasteur, garde quand il. C'est toi, monsieur le grand pasteur. Jeune grand pasteur. Ce sont ces gens de personnes qui ont changé les choses dans notre famille. C'est ça. C'est ça. Si Dieu bénit quelqu'un ce matin. Si tu n'es pas un vrai adorateur pour Christ. Amen. Amen. Donc, amen. Le quatrième point. Elle est pronombe, il est en train de nous dire. Donc, le Seigneur peut nous dire. Soutenez l'église avec vos prières, vos temps. Donc, si tu as couteau à pomme, nana couteau. Nos prières. Nous allons soutenir l'église avec nos prières. Nos dons. Nous allons soutenir l'église avec ces choses. Ce matin, que Dieu bénit quelqu'un. Vos efforts. Ça a plu à Dieu. Les efforts que vous avez faits. Que Dieu vous les rétablisse. Et ce que vous espérez. À la fin de cette année. Je prie pour toi. Comme les passants qui deviennent de l'église. Elle a tué un nom. Il va te rétablir. Amen. Et tu sauras vraiment qu'il est Dieu. Amen. Amen. Actionne-vous, allez autant de soucis. Il va te rétablir plus que tu l'imaginais. Amen. Amen. Si tu me reçois, aïe, c'est mon peu, et tu as eu la présence du Saint-Esprit, acclame le Seigneur Jésus. Et la tête à Gounézar. Et baissons la tête. On a maintenant bientôt pour la vie à terre. Dieu, c'est bon, nous prions, te disons merci. La première valentia. Tu nous as encore amené ici. Dans les tout quoi. Tu as transmis ce message au peuple. Qui soit ferme. Voici. Qui soit fort. Avec tes teams. Comme un palmier. Mais nous, j'en mets. Dans les problèmes. Qu'il montre. Yoshi. Qui sont vraiment. Ou à te faire une étoile. Tu vois toujours là où tu l'as planté. Et on y a mis. C'est ça ta parole. Mais je prie pour eux. Mais bien. Que aujourd'hui, si tu reçois l'onction. Les tempêtes vont passer. Les femmes vont passer. Voilà où nous mais à la fin, c'est eux qui auront la victoire. Les Yesu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.